mon cher Lyon, ayez l'obligeance de payer, il se trouve que je n'ai pas de monnaie sur moi. Oh, monsieur la moindre des choses, je vous dois combien? Voici. Non, je regrette, mais nous n'avons pas vu monsieur ce soir. Merci quand même. Celui-là, où est-ce qu'il a encore pu aller traîner? Je suis confus de vous déranger. Mais pas du tout, l'appartement est immense, vous y resterez autant que vous voudrez. Oh, je ne sais comment vous remercier. Nous allons boire un verre de whisky et je vais téléphoner au ministre. Coucou, oh, le voilà. Messieurs, je vous salue. Alors, on est fâchés? On ne veut pas venir se promener avec ses amis? Je vous préviens, messieurs, ma patience est à bout. Le ministre est alerté. Mais oui, mon ami, mais oui, bien sûr. Messieurs, je crois qu'il s'agit d'une erreur. Qui c'est celui-là? Mon ami, le lion. Voulez-vous le laisser tranquille? Ah, vous, le lion, fichez-nous la paix, hein? Je ne le quitterai pas! Noble et généreux! Je vous reconnais bien là. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Je ne veux pas mourir. Pardon? Je suis compositeur. On cherche à me tuer et je passe demain à la télévision. Vous comprenez? Oui, ça me paraît très clair. J'ai donné 43 000 francs à M. Amédée pour qu'il me descende. Parfaitement, parfaitement. Seulement voilà, entre-temps, j'ai changé d'avis. Je vois, j'y oui. Pense. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? Oh, j'allais vous le proposer. Mais vous verrez, ma maison de campagne est très confortable. Ah, oh, parce que vous alliez... Mais oui. Au chaud, au froid, à tous les étages. Oh, mais je craindrais d'abuser. Mais non, mon cher, plus on est fou, plus on est. Vous permettez? Je vous en prie. Pardon. Parce que... Oui. Vous dites, vous arrêtez. Hop. Rabat, c'est une arme. C'est une arme. C'est une erreur incroyable. Je suis un grand compositeur national. Et moi, je suis l'arroseur municipal. Abat, c'est une erreur incroyable. Abat, je suis un grand compositeur. Je dois passer demain à la télévision, laissez-moi sortir. Je passe à la télévision, vous m'entendez, à la télévision. Ah, à la télévision. Amédée.